Nathalie, est-ce que tu peux me présenter Spareka ? Oui, nous on est une start-up, on est située à Lille, on est 50. Et notre objectif vraiment c'est de donner les moyens à tout le monde de réparer soi-même. D'accord. Donc le premier réflexe quand on est face à une panne, c'est plutôt soit de regarder le prix du neuf pour acheter et remplacer, soit faire appel à un professionnel, mais du coup c'est à un certain coût. Et nous on propose une alternative, en fait on a envie que les gens se sentent indépendants et soient impliqués en fait dans la réparation. Et du coup on va donner tous les moyens aux personnes pour qu'elles réparent, donc l'aide pédagogique avec des tutoriels vidéo, tout ce qui est documents techniques, on va l'accompagner, on va faire en sorte qu'elles se sentent hyper rassurées et du coup et entourées, ouais, voilà. Et du coup donc c'est une plateforme en ligne. Oui. Le site. Oui. C'est Spareka. Spareka.com. Spareka.com. Donc nous, notre business model, c'est de vendre des pièces détachées. D'accord. Et on vous aide à diagnostiquer votre panne et ensuite à réparer. Et là, sur Maker Faire, vous proposez des ateliers ? Ouais, on propose des repair schools. Notre cœur de métier, c'est l'électroménager, mais on propose aussi les appareils de jardin, les appareils de piscine. Et on montre du coup aux enfants, aux familles, que c'est facile de réparer. D'accord. Voilà. Ah mais avec grand plaisir. Avec vous tout à l'heure. Top. Merci beaucoup Ophélie. Merci, à tout à l'heure.